Salut, c'est Trado. Alors écoutez, j'ai reçu pas mal de demandes par mail et sur le forum Boursorama de Neovax pour une analyse technique, donc je vais essayer de vous faire plaisir et de vous aider un petit peu. Avant de commencer, je vous rappelle les règles de base. Hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous décider à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et les points de sortie. Et c'est bien sur la base des fondamentaux que, de vous, de, que vous devez prendre une décision d'achat ou de vente. Voilà. Alors, on va commencer par euh, cette analyse hein, assez large de, de Neovax. On voit que la tendance, évidemment, est toujours baissière. On le voit, et ça n'a pas changé depuis la dernière fois, au fait que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Tant que ce sera le cas, regarde ce critère assez simple, on sera en tendance baissière. C'est confirmé par un autre élément, c'est que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 150 jours qui elle-même adopte une pente baissière. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend, on est également en tendance baissière. Donc ça, ça confirme. Enfin, euh, regardez, hein, euh, on est... Cloisonné, emprisonné dans cette espèce ici de euh, canal descendant, qui lui aussi nous empêche hein, de, de voir l'avenir sereinement. Si on devait continuer le mouvement en cours, eh bien, on pourrait aller chercher les 1 euro à peu près ici, hein, et il faudrait ensuite passer et casser ce, ce canal. Alors, une fois que l'on aurait éventuellement cassé le canal à la hausse, l'objectif traditionnel, c'est de prendre la hauteur du canal, que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Le cas échéant, et on trace une horizontale, enfin une, une, une parallèle au canal, et ça me donnerait pour objectif d'aller chercher quelque part un contact avec cette demi droite ici hein, aux alentours de 1,4, 1,5, ça dépend où on le toucherait. Mais bien sûr, vous aurez compris que le plus important, c'est encore de casser le canal par le haut. Pour l'instant, euh, on ne peut qu'espérer, mais on n'y est pas euh, encore. À noter également euh, les indicateurs techniques. Alors euh, les indicateurs techniques nous montrent la chose suivante. On va regarder le momentum. Le momentum nous dit que... Attendez, je l'ai mis là. Le momentum nous dit que nous sommes au-dessus de 0, donc ça veut dire que les choses sont en train de, de s'améliorer. Et c'est confirmé par le fait que le RSI est au-dessus de 50. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a une dynamique qui, pour l'instant, est plutôt haussière au niveau des indicateurs techniques. Et ça, ça nous amène à espérer un ralliement du haut du canal, comme on l'a dit précédemment. Reste encore après, une fois de plus, hein, à le casser par le haut, ce qui emmènerait en, en déclencherait un potentiel aussi. Mais on n'y est pas pour l'instant. Moi, ce qui surtout m'interpelle actuellement c'est la montée des volumes ça c'est intéressant parce que regardez on est en train effectivement de, de, de monter depuis quelques quelques jours et on voit qu'il y a une montée des volumes chaque fois que l'on monte donc ça c'est intéressant sur ce pic là de, de croissance et sur ce pic là de croissance il y a une montée des volumes c'est à dire qu'on ne monte pas dans le vide c'est à dire qu'il y a véritablement des intérêts acheteurs et ça c'est plutôt intéressant. donc voilà ce qu'on pouvait dire, pour L'instant, c'est euh, toujours baissier, mais il y a véritablement des, euh, des velléités de, de ralliement du haut du canal ici. Et si on arrivait à le casser, et eh bien derrière, ça pourrait donner des choses assez sympas. J'aimerais terminer quand même avec l'Ishimoku qui apporte toujours des, des informations assez intéressantes. Le plus intéressant à comprendre, le plus important à comprendre, c'est qu'il faut regarder la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est, euh, on va dire, soit soit bleue, soit verte là, et quand on est dans le nuage, on est sans tendance. Vous voyez, quand on est en dessous du, du nuage, bon, bon, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, tac, 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 on est en tendance haussière. Et quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Et ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que la pression baissière elle a tendance à, à se relâcher un petit peu. Alors, il faudrait confirmer, hein, mais si on arrivait à passer au-dessus du nuage ici et on n'en est plus très très loin, on pourrait effectivement euh, se départir de cette influence assez insidieuse des, euh, des, euh, de, de, de la pesanteur et euh, envisager une augmentation. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, il faut réussir à s'extraire du nuage. Donc surveillez bien, surveillez bien une sortie au-dessus des 0,8, ça pourrait être pas mal. J'aimerais terminer avec quelque chose qui n'a rien à voir. On va monter sur l'unité de temps hebdomadaire, qui est là. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est assez... Euh, Assez euh, intéressant, j'ai enlevé shimoku. C'est une vague de Wolf. Alors, si vous voulez euh, euh, en savoir plus, regardez ma dernière euh, vidéo sur le cas et la vague de Wolf. On est, on est face à une vague de Wolf ici. Regardez. On a euh, trois euh, points bas alignés ok, et trois points hauts également. Alors, ça nous donne ceci. Nous, nous avons ici le point 1. Alors c'est un peu compliqué si vous débutez l'analyse technique, hein, je, vous en, je vous encourage à ne pas insister euh, sur ces points-là, ça risque de vous perturber. 3, 5 et 1, 4, 6. Bon clairement ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons 1, 3, 5 qui sont alignés, et si on rejoint les, deux, euh, les, les points 1 et les points 4, eh bien ça nous donne un objectif de ralliement et de percussion. Contre cette demi-droite qui est là. C'est très compliqué si vous découvrez l'analyse technique. Euh, faites pas gaffe hein, si vous êtes vraiment grand débutant. Mais globalement, ce que je veux vous dire, c'est qu'au regard de cette vague de Wolf, on a un objectif premier qui serait d'aller chercher le point 4 ici à 1.36. Et un deuxième objectif, un objectif final, qui est d'aller chercher un contact entre ces droites 1.4. Et ça s'est passé sur le CAC euh, pas plus tard qu'hier. Et donc aller chercher pourquoi pas à 1,7. Bon, c'est une possibilité, mais en tout cas, euh, c'est une, une possibilité qui peut être assez intéressante à, à, à conserver sous le. Voilà. Donc voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosor, je suis membre de l'Association française des analyses techniques. Ceci est mon blog. Alors, si vous avez envie de faire vos premiers pas en analyse technique, j'ai écrit et réalisé pour vous un module de formation qui est là, il est gratuit, sans aucune obligation d'achat. Vous, euh, vous les récupérez. Il y a une vidéo de plus de 30 minutes pour faire, euh, pour jeter les bases, avec également un livre numérique et un fascicule d'exercices corrigés. N'hésitez pas encore. Une fois, c'est complètement gratuit, ça vous permettra d'éviter euh, de grandes bourdes. Et puis, si vous voulez aller plus loin et vous faire vous former euh, significativement à l'analyse technique, je vous propose ici une, une formation intégrale constituée de 22. Euh, 22 modules de formation hein, et euh, également n'oubliez pas de vous inscrire ici à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour. Et également, et enfin euh, le trado screener ici qui vous donne pour 250 actions euh, la tendance en cours avec une note qui va de euh, moins 6 à plus 6 et qui vous permettra de vous repérer euh, au niveau du timing euh, d'achat ou de vente de vos 250 actions préférées. Voilà. À très bientôt pour une autre analyse technique.